Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment faire une flèche façon origami. Pour cela, vous prenez un grand rectangle, vous prenez une feuille A4 et vous la coupez en deux dans le sens de la longueur. Voilà, j'ai fait déjà cette étape. Voilà, pour commencer, vous allez plier, vous allez bien marquer surtout la pointe, c'est important. Là ici, et suivre. Là ici, vous pliez comme ça dans ce sens. Vous marquez bien le pli avec votre ongle. Voilà, vous dépliez. Vous faites pareil de l'autre côté. Vous faites attention de bien former l'angle. C'est important de bien avoir la forme de la flèche. Voilà, j'insiste beaucoup sur la pointe. Voilà, le papier est un peu épais, alors il faut bien insister avec votre ongle. Voilà. Ensuite, arrivé comme ça, venez plier en deux la base du là-bas de la jointure des deux angles. Alors, on va un peu plus ajuster. Voilà, comme ça. Voilà. Là, pareil, vous marquez bien l'angle. Vous retournez, ensuite vous venez plier les deux pointes. Alors là, il faut bien insister aussi pour qu'il y ait bien la pointe. Vous marquez bien le pli, ça commence à devenir un peu épais, mais ça va le faire. Alors, regardez bien la technique. Là, vous venez plier. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à la moitié de la feuille, 1 ou 2 cm. Et là, vous venez écraser. Là, comme ça, en rentrant le pli. Voilà, comme ça. Vous faites pareil de l'autre côté. Vous prenez, vous pliez quelques centimètres. Pareil que l'autre côté. Et vous venez bien faire l'angle là de ce côté. Hop, là c'est pareil, il faut bien marquer les plis. À l'intérieur aussi. Là aussi, on insiste. Et voilà, votre flèche est terminée. Maintenant, si vous voulez par exemple donner une indication à droite ou à gauche, vous n'avez qu'à plier comme ça de ce côté, et là c'est tourné à gauche, ou dans ce sens, vous pliez de ce côté, comme ça. Quand c'est pour le signe pour monter, vous venez plier comme ceci, et voilà, vous avez un magnifique escalier, ça fait la forme descente, de montée. Et si vous le tournez comme ça, on comprend bien que c'est pour descendre dans ce sens-là. Voilà, ça peut être très très original cette forme. Voilà, ben amusez-vous bien avec cette forme et puis à la prochaine fois.